Allô YouTube, je suis contente de vous retrouver. Et aujourd'hui, deuxième vidéo par rapport au trailer présenté au Comic-Con de San Diego. Aujourd'hui, on parle de Shazam! Bailey Batson. I choose you as champion. Avez-vous hâte de voir comment il va être interprété? Moi, oui. Je connais très peu Zachary Levi, j'ai hâte de voir comment il va l'interpréter. Il est surtout connu pour la série Chuck, que j'ai pas vu encore. Shame on me. Quand j'ai vu le trailer, on m'a conseillé de lire celui-ci. J'ai eu beaucoup de mal à me procurer et ça en vient pas mal rare. Billy Batson, un ado de 15 ans, va de famille d'accueil en famille d'accueil parce qu'il finit toujours par s'enfuir. Il finit par se faire placer dans une famille avec des ados comme lui. À un moment donné, il aide un de ses frères d'accueil qui se fait intimider. Un peu plus tard, il essaie de fuir les intimidateurs de tantôt et se ramasse dans un lieu étrange. Il rencontre un sorcier qui lui dit qu'il l'a choisi pour avoir ses pouvoirs. Les bien-aimés, si vous en apprendre plus sur ce personnage-là, cette BD-là est juste parfaite. En discutant plus tôt avec mon conjoint, elle a certaines similitudes avec une certaine histoire écrite par Mark Miller et il s'agit de Superior. Que j'ai pas lu encore, il est dans ma page. Cette BD a été écrite par Jess Jones et a été illustrée par Gary Frank, qui sont connus entre autres pour Batman Earthworm. Maintenant, en coupe, si vous voulez pas savoir mes scènes préférées, vous pouvez marcher un petit peu plus tard, sinon vous pouvez continuer avec moi. Ma première scène préférée, il s'agit de la rencontre avec le sorcier. Pas trop sûr de son affaire, mais il finit par voir le potentiel de Billy. Ma deuxième scène préférée, il s'agit de sa famille d'accueil qui vient à sa rescousse. Ma troisième scène préférée, il s'agit de l'origine de Black Adam. C'est un personnage que j'aimerais découvrir, on va finir par le voir bientôt avec The Rock. J'aurais espéré qu'il soit dans le film de Shazam, mais je pense qu'il sera pas là, on verra bien. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez lu et comment vous la trouvez. Donnez-moi un petit like si vous avez apprécié, abonnez-vous à ma chaîne et on se voit très bientôt pour notre vidéo. That's all, folks.